Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux au nom de la Fondation Facim. Nous sommes ravis d'accueillir nos écrivains, Mélisse de Kerangal, Jean Echenoz, Miguel Bonnefoy, qui vont vous accompagner tout en haut du Montant Vert. On se retrouvera tout là-haut. Ouais, la promenade littéraire est partie, tout le monde a l'air de suivre. Les dieux sont avec nous, il fait un temps magnifique. Les gens ont l'air de sacrément bonne humeur, sacrément contents d'être là. Et nous aussi. Merci beaucoup. Alors nous, on va aller s'installer devant. Alors je suis Miguel Bonnefoy, j'ai été invité par la Fondation Facim il y a 3 mois pour être en résidence d'écrivain au Château des Alus à Saint-Pierre d'Albigny. Et on m'a installé dans une petite dépendance qui était l'ancienne chapelle du château. Je me sens un peu comme l'épine entre les deux roses, si tu sais. Le moustique entre les deux lions. Mais je suis très content d'être ici pour apprendre avant tout, être simplement dans une position de contemplation, apprendre d'eux, leur poser des questions, comprendre un petit peu quels sont tous les minotaures qui habitent les labyrinthes de l'écriture. Ce sont les 14e rencontres en Pays de Savoie. Les rencontres existent depuis 2001. Au départ, les rencontres littéraires faisaient honneur à des écrivains d'origine savoyarde ou pour qui la Savoie avait du sens dans leur parcours, dans leur vie à un moment. Et puis, depuis 3 ans, on a élargi un petit peu la programmation à des écrivains contemporains en disant voilà, faisons découvrir la Savoie à des écrivains contemporains, venons les faire parler de littérature ici sur nos territoires de Savoie et de Haute-Savoie, puisque le principe de cette manifestation, c'est qu'elle est itinérante, une année en Savoie, une année en Haute-Savoie. L'idée, c'est toujours d'investir un lieu patrimonial. Eh bien, cette année, on a choisi Chamonix, qui est quand même un emblème de la Haute-Savoie. Alors, la complexité des choses aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de monde. Donc, il faut que tout le monde entende. Il y a toujours l'inertie du groupe pour rejoindre les points de lecture où les écrivains vont lire. Et c'est pas facile de faire avancer 250, 300 personnes, je ne sais pas encore exactement. Mais on peut constater là que c'est un flux continu de marcheurs-lecteurs. Et la première lecture, c'est Jean Echenoz qui va prendre la parole pour inaugurer cette journée de littérature dans le paysage. C'est un extrait donc d'un livre qui s'appelle Les Grandes Blondes, et les quelques pages que je vais vous lire, c'est une description, puisqu'on est dans le paysage et dans la description. C'est une description d'un hôtel. Son entrée principale jouxtait le consulat de Birmanie et tout au fond, un portail arrière débouchant au coin des rues du cénotaphe et de l'archiprêtre Vincent donnait sur un jeté résidentiel de grande villa blanche, sainte de jardin, close de les rempocher, ivre mort, un litre ou deux plus tard. Un gros souverain au-dessus du lit représentait 4 gros oiseaux, Porfirio, Porfirio, de mieux en mieux. Merci. Ben on commence à s'élever un petit peu au-dessus de l'hôtel du Montant Vert. On s'avance en fait sur le sentier qui monte au Signal Forbe pour les gens qui connaissent. On s'élève aussi au-dessus de la mer de glace. On a un point de vue déjà beaucoup plus vaste sur la mer de glace. Et on attend là donc pour la deuxième lecture Miguel Bonnefoy, un jeune auteur qui est en résidence depuis 3 mois en Savoie et qui va nous faire l'honneur de nous lire un extrait de son premier roman, celui qu'il a écrit durant sa résidence. Après une semaine, le pavillon de quarantaine fut hissé et on décréta qu'il s'agissait d'une épidémie nationale. La deuxième semaine, les autorités ouvrirent la chasse aux rats et on paya 1 pièce d'or pour chaque bête morte. Les fidèles bloquèrent les ruelles d'un village aux alentours de Caracas. Ils portèrent sur des brancards d'argent, accompagnés de psaumes et de chansons, l'effigie de Saint Paul, vêtu d'un amigo, et une église dressée au milieu des cyprès, comme un mât solitaire et triste, debout sur une terre sans ancêtres. Merci beaucoup. Merci.
Mais ça, c'est quoi comme ça? C'est de la boue? Non, pas du tout, c'est de la glace. Ça, c'est de la glace. Ça, c'est de la glace vive, ouais. Oui, la glace là-bas. Mais là, c'est juste recouvert de... Ouais, c'est une moraine en fait, c'est recouvert de pierres et de l'usure mais du glacier. Mais juste en dessous, c'est de la glace. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord, parce qu'on n'a pas forcément. Ouais, parce qu'il a fondu en parce fait. Parce qu'il a fondu un peu. Ouais. En fait, donc il allait jusque. Ouais, c'est ce que. Là, ouais. C'est fou dans l'enfance, moi j'ai vu ça blanc. Bien, vous êtes installés, tout le monde a une place. C'est notre dernière pause lecture et donc je vais laisser la parole à Maëlys de Kerangal, notre invitée d'honneur, qui va vous lire un extrait d'un texte qu'elle a accepté d'écrire à l'occasion des rencontres littéraires. C'est une commande qu'on lui a passée pour notre collection Paysages écrits, que nous coéditons avec les éditions Guérin de Chamonix. Merci, merci beaucoup d'être tous là et je voudrais remercier la FACIM. Voilà, de m'avoir fait signe pour cette journée. Voilà, je vais vous lire ce texte. À ce stade de la nuit, je remue les mains au fond d'un tiroir, je tâtonne dans le fatras, agrégat d'objets au rebut qui archive le quotidien de l'appartement. J'entrechoque boutons, feutres secs, débris de Playmobil, échantillons de crème adoucissante, sachets de sucre ramassés au café, cuillère ancienne, billes, chewing-gum, téléphone portable, piste des repères, paquet de Kleenex, des centaines de noms l'animent, s'y chevauchent, majuscules All Style ou italique cursive, un codage typographique étalonnant leur importance, qu'un tiers des navires de commerce naviguant sur les mers du globe battent pavillon maltais, la zone est dangereuse. Merci. C'est quand même un cadeau immense, c'est un privilège, je trouve. C'est un privilège d'être ici. Alors la montagne, c'est un milieu qui ne m'est pas du tout familier, que je connais très mal. C'est la première fois que je viens à Chamonix et la première fois que j'ai cette expérience de la montagne. J'avais été une fois dans les Pyrénées, mais vous voyez, jamais dans les Alpes. Et je suis très impressionnée par la puissance et évidemment la beauté de la montagne. Et puis je trouve ça assez extraordinaire de faire venir jusqu'ici des livres, des textes. Voilà. Ça, je trouve que c'est très étonnant, c'est très original comme journée. Je voudrais enfin remercier les éditions Guérin, puisque nous avons une histoire commune avec la FACIM, parce que nous avons édité ensemble, il y a quelques années, un livre sur un homme immense. C'est une très belle journée, c'est une journée qui lit la beauté du paysage et du montant vert et la fécondation artistique qui est liée aujourd'hui à la présence de trois grands écrivains qui eux-mêmes succèdent à énormément de talents artistiques, scientifiques qui se sont croisés sur ce site du montant vert. Tous les livres, en tout cas les livres que j'aime ou les livres qui ont compté pour moi, instaurent tous un paysage. Mais alors évidemment, c'est quoi cette histoire de paysage? De quoi est-ce qu'on parle vraiment? Le paysage, c'est pas un décor, c'est d'abord une expérience. Et ça, c'est quand même assez fort. La définition, j'en ai parlé hier, mais c'est vrai que la définition de Gilles Clément du paysage, elle est géniale. Il dit que voilà, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard et de tous nos sens. Donc il y a une dimension d'expérience. Il dit qu'évidemment, c'est ce qui reste quand on ferme les yeux. Et c'est aussi, par exemple, évidemment pour moi j'y vois assez l'analogie avec l'écriture et avec le livre. C'est-à-dire que le livre, la lecture, c'est une expérience et possiblement c'est ce qui peut rester une fois qu'on a refermé le livre. C'est une espèce de permanence rétinienne, une espèce de persistance. Ça, je trouve que c'est intéressant. Donc ces applaudissements sont autant de merci que je vous renouvelle. Mélisse, merci. Jean Echenoz, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Miguel, merci et vraiment bon vent. Gwenaëlle, merci beaucoup aussi. Je voulais aussi beaucoup remercier la ville de Chamonix qui nous a reçus et qui a permis d'être ici sur ces hauteurs, la compagnie du Mont Blanc. Et je voulais surtout remercier de tout mon cœur la grande mobilisation de toute l'équipe de la Fondation FACIM qui a rendu ces journées possibles. Tout le monde est là, tout le monde est mobilisé. On a libéré la lune quand elle
Je réchaufferai la terre, cueillerai le chagrin d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sous ta peau.